Et puis une autre action de solidarité, l'opération Chaussettes avait lieu aujourd'hui. Une récolte de vêtements chauds, couvertures, chaussures et produits d'hygiène devant le palais de justice durant une grande partie de la journée. Une initiative née il y a 11 ans des organisateurs qui constatent eux aussi une demande grandissante. Les dons qui étaient nombreux seront ensuite distribués aux associations. Aujourd'hui, on met tout dans les camions et puis tout part chez nos partenaires qui sont Solidarité Grand Froid. Et là, ça trie, ça lave ce qui doit être lavé. Et après, c'est eux qui distribuent dans les différentes associations. Mais les différentes associations et les sans-abri peuvent venir chez eux aussi. Il y a 2 ans, on a eu 50 tonnes, donc vous pouvez vous imaginer ce que ça a fait. On a pu effectivement donner beaucoup. Ce qui manque le plus, c'est les vêtements hommes. Parce qu'il y a plus de sans-abri hommes, malheureusement, plus tous les migrants qui arrivent. Donc ça, c'est une problématique pour les associations, les CPAS et tout ça.